Bonjour, 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 bonjour. Salut, salut. Ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Salut Luc, salut les autres. Bonjour, bienvenue à vous. T'as gagné des points, Luc, t'es dégueulasse. Je te hais. Je te hais. Brim. On va baisser ce son. Ok. En vrai, j'avais envie de lancer et de faire une transition directe, comme ça en mode tchouf, directement dans le jeu, mais j'ai foiré. Donc, tant pis, je vais parler un peu avec vous. Hein, t'as vu? Le talent, mais si. En même temps, entre rouge et noir, c'est bon, quoi. J'appelle ça du talent, peut-être. Les choses évoluent, les choses bougent. Qu'est-ce qui va se passer avec le groupe des pirates et la suite? Je vais être honnête avec vous, hein, je vais être honnête avec vous. Ouais, j'ai trop obligé de parler avec vous, t'imagines? Surtout que le chat c'est plutôt toi en l'occurrence, donc je vais être obligé de parler avec toi actuellement. J'espère que d'autres gens vont s'exprimer et ça me permettra de pas juste parler avec toi. Ce qui en soi est une victoire, hein. Ouais. Non mais ça va bouger là. Ça va bouger. J'ai envie que ça bouge. Je trouve que Cortez n'est pas spécialement cohérent en tant que capitaine pirate à Armadillo, mais ça je le trouvais déjà depuis le début. C'était clairement fait pour soutenir un peu les poteaux. En espérant que quelqu'un puisse reprendre la place. On a essayé de mettre des trucs en place, mais voilà. Donc voilà. Ça va bouger. Ça va bouger. Pioum. Vous verrez bien. Go mortel. En vrai, j'ai bien envie de faire quand même encore un autre groupe pour tester une partie du serveur que j'ai pas testé et puis on verra comment ça se passe. Comment ça? Mais je suis connecté sur TeamSpeak, non? Je suis pas connecté sur TeamSpeak, c'est pas normal. Ah, je suis sur Team. Bah si. Ah, ok, j'ai fait un time-out. Il a fait un time-out. Mais après, mortal, ouais. Raconte, t'as fait de belles choses. T'avais des belles choses sur mortal. Comment j'ai lancé mon stream tardivement quoi. Je suis désolé, hein, un peu de retard. Mais beaucoup de temps à discuter, réfléchir, voir ce qu'on allait faire par la suite, voir comment on allait réagir à ce qui se passe et quoi. Et puis faut se positionner aussi avec le groupe quoi. Faire un truc qui plaise à tout le monde. Ah ouais, trop bien, trop bien. Cool. Bon, gardez-nous en quelques-uns qu'on puisse explorer aussi. Hein. En vrai, c'est cool qui rajoute ça. Vous devriez boire. Vale. Vos persos évoluent bien. Ah, c'est cool. C'est cool.
Ouais, bah j'imagine bien. J'ai eu envie à un moment de refaire un perso aussi sur Mortal. On verra bien comment ça va se mettre. Mais ici, en gros, on a mis en place Greenwood en tant qu'homme de paille à la mairie pour pouvoir un peu gérer avec l'Amérique. Mais ça leur plaît pas trop aux Américains. Donc ils veulent buter Greenwood. Ils ont mis une prime sur sa tête hier. En mode mort ou vif. Et clairement, on va pas laisser Greenwood mourir. Donc, ouais. Ouais, Scorg. Oh, les zombies, ils sont relas. Les zombies. Regardez-les, c'est des zombies. Les zombies. La mort rôde au New Austin, la mort est partout autour de nous, mes seigneurs. Je vous l'ai dit, regardez-le. Il sort de tombe, il sort de tombe. Vous n'êtes rien. Vous êtes mort. C'est pas RPI. Scorg, non, il est pas deg, mais bon, il a pas trop le choix, en fait, c'est ça le truc. Ça tire, c'est bien ça. Conta le puto! Évidemment, dire, évidemment! Ese es el barman. Regada, un amigo blanco, regada. Quisiera el castillo, yo atrapé a dos trajones. Y entre ti es el morico blanco, es el puto de morico que te echapé de la prisión de Blancuater. ¿Cómo se llama? Blanco. Traitre Armadillo. ¿Qué es lo que se pasa aquí? No, castillo, regada. Faut faire attention, tu sais, parce que tu vois, tout à l'heure j'ai rencontré un mexicano qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelait, Salvatore, Salvador. Il m'a dit qu'ici on pouvait pas avoir d'esclaves. Ouais, ouais, il a dit ça, Diego. Ça c'est un morico blanco qu'on a récupéré et que j'ai mis au service de la famille Castillo. Ah, si, il a notre service. Si, il a notre service maintenant. Si, oui, si. Il s'est échappé de la prison de Blackwater. Ok, très bien, mets-toi à genoux et souce-moi les pètes. Hein? Les quoi? Oui, les pieds. Il passe déjà des choses bizarres dans cette ville. Viens, carte maître, que la discute. Toi, notre chose, on fait ce qu'on veut de toi. Il a dit, elle me permet de remplir la comment tu vas? Muy bien, et tu? Tranquilo. Ça va, l'armurerie, tout va bien? Bah, si, tranquilo, mais. J'ai vu qu'il n'y a plus rien là-bas de côté. Si? Ah bon? Ah oui, c'est vrai, le gouvernement mexicain a décidé de fermer la ville pour. Si. Et non, c'est d'accord, compliqué. Il faudrait que je sois ici, du coup. Si, mais. Diego, t'as parlé ou pas? Non, il vient d'arriver là, il était dans la maison à côté. Il faudrait qu'on parle avec Diego, il a parlé, il a dit tout ce que tu m'as dit de dire, mais il faut qu'on voit avec lui. Oui, on va voir mais ça. Bon, Greenwood! Fait chier, j'ai cherché toute la journée, il me casse les couilles. Qui est Greenwood? Mais oui, j'ai attrapé un morico aussi. Non, pas un morico. Un gringo. Entre nous, Armando, c'est pas un bon maire. Ouais, il m'a douté. C'est un très mauvais maire. Hein? Très mauvais, il est bon pour faire lieutenant d'un bateau, mais un maire, ouais. Il est pas bon. En plus, les Américains ont mis un prime sur sa tête, ils veulent mourir vif. Il veut mourir vif pour 25 dollars. Si, il y en a marre, il va aller tous les matar. C'est bon, là, on est parti, on va tuer tout le monde. Il y a un seigneur Wallace. Il fait du sable. S'il si. Vient vous voir, c'est moi qui l'ai envoyé vers vous. Muy bien, muy bien. C'est un qui a attrapé à la frontière et ici, là, il voulait travailler. Très bien. Et comme c'était un catholique, bah, il faudrait que tu me baptises mon putain morico blanco. Oui, capitaine. Hola, Greenwood. Très bien, très bien. Greenwood, tu me fais chier.
Je t'ai cherché partout. Comment ça? Ah, s'il n'était pas là, c'est pas de sa faute aussi, hein. Il n'a pas arrêté de crier Greenwood. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde te veut, Greenwood. Tu es une mère maintenant, il faut assumer. Oui. Tu es une star. Mais c'est quel problème? Tu es bientôt une mère morte, d'ailleurs. Comme près de, mort pour près du Maroc. Comme la mère morte? Bah, si. C'est ce que nous verrons. Hein. Non, ça ne va pas se passer comme ça, Greenwood. On va faire ce qu'il faut bientôt. Armando, tiens-toi prêt pour des changements. Je te le dis. Tu aimes bien les changements. Ah, c'est bien. Tu te vois, maire d'une ville. On va se voir avec le Castille au niveau de Tunurox. Ah, maintenant? Si. Allez, allez. Bon, allons à Tunurox, comme ça. Je vais voir avec eux, on va aller à Tunurox. Je suis pas en forme, hein. On va voir ce que ça va donner, mais... Je m'entraîne avec Armando en ce moment-là, regardez. Il m'a pas dans le bon dos, il a un gros fusil. Eh non, la voix ne suit pas. Eh, il m'a dit, soy Armando. Armando, il y a un putain de gringos à la frontière, je l'ai envoyé mettre. Eh, señor. Puta madre. Je vais le matar. Je suis les bandits les plus pesants de tout l'Ouest. Eh, balle. Je suis un peu loin à la détente, quoi. Soy Armando de Twin Rocks. Soy Armando Greenwood. Ah, si, vale, tu fais bien Greenwood, vraiment. Délicieux. Excellent. Et je ne pensais pas ici, mais en fait, si. Très doué. Bon, équipage, il va falloir qu'on. J'ai fait exprès. Il va falloir qu'on discute, équipage. Hein, là. Putain, il n'y a que ma tête qui n'a pas été mise à prix, je dois le prendre comment? Mais elle n'est pas mise à prix, ma tête. Hein. Tu as vraiment une merde à ce point-là? Non, c'est parce que je suis un mort, capitaine. Vous êtes mort, ça compte pas, capitaine. Ça compte pas, oui. Ah si, c'est vrai. Vous êtes un ombre. Et une sauve-conduite. Je suis le seul à avoir une mise à mort. Hein. Mais oui. Non. Le sorcier là-bas aussi, apparemment. Le sorcier, prêtre. Comment ça, de combien? Le quoi? Prêtre d'Armadillo. 20, je crois. Quoi, toi? Aussi. Toi? Oui, il vient juste de l'annoncer. Mais qu'avez-vous fait? Eh bien, c'est à cause de l'histoire Leblanc. Le fait qu'on l'ait. Histoire. Ah oui, c'est sûrement pour ça. Je l'ai converti et je l'ai frappé. Je l'ai aussi frappé. Bon, moi je vous dis, équipage, hein, on va pas traîner dans ce coin de merde. Hein. Armadillo, on s'en fout depuis le début. Et puis là, Greenwood, il a cet état pris. Ça vous dirait qu'on aille dépenser tout l'argent qu'on a au saloon et on pique un bateau? Eh oui. Au saloon, j'en connais un pas mal à Saint-Denis. Mais oui, Saint-Denis, c'est magnifique. Non. En plus, comme ça, on pourra briller une dernière fois si on se fait tous matar. Et je pourrais revoir le maire de Saint-Denis. Oui, oui. Il m'apprécie beaucoup. Et on lui braque tout son argent avant de prendre son bateau. Tout à fait, oui. Ah, je lui proposerai de faire un voyage en bateau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Comme ça, on le récupère. Mais on va pas l'enlever à Saint-Denis. Non, mais son bateau. Ah oui, très bien, très bien. Mais tu crois pas qu'il se doute de quelque chose? Il a sûrement vu les affiches, hein? Nous verrons bien, de toute façon. Ouais. Bien. Et on va lui dire à Ballard et les autres, ils nous rejoindront sur le bateau. Oui, ça va créer une diversion, en fait, capitaine. J'ai envoyé des hommes déjà à fréter le bateau, il est au large, là, il attend. Enfin. Oui. J'en pouvais plus de ce Mexique. On pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Hola. Hola. Hola, mes señor Castillo. C'est qui, lui? C'est Greenwood. Et oui. Depuis quand il a tiré son sécheur? Eh, mais ils sont poussés. Eh, si, ça. Ils ont poussé. Eh, oui. Eh, parce que ça fait un moment que nous ne nous sommes pas vus, mon grand. En tout cas, c'est pas votre charisme qui a poussé. Il y a que vos cheveux, Yoa. Hey, votre taille non plus. Ma taille, elle est parfaite. C'est l'amour fou, hein, comme je vois toujours entre vous. Ah, si, j'adore cet homme. Bon, allez, pied à terre. Très bien, même quand il descend de son cheval, ça reste un capitaine. Il met le pied à terre. Ah, toujours. Oui, c'est vrai, moi. En plus, là, il est mal, il a les pieds coupés en partie à droite. Il va me faire mettre une jambe de bois, je crois, parce que je serais reparti sur le bateau.
ou un crochet. Un crochet au pied. Et un crochet au pied pour les directement comme ça. Puis comme ça, vous vont tomber de votre canaillon, de votre cavaillon, vous directement vous l'attrapez avec le crochet. C'est pas bête en vrai pour s'accrocher sur les bouts ou les voiles. Puis vous pouvez faire des cabrioles comme ça. Oui, je peux tirer avec mes deux mains pour 10 pistolets comme ça, accrochés entre les pieds. Pourquoi pas? Magnifique. Bon, comment allez-vous, Seigneur Castillo, la famille Castillo? Puis ça pourrait aller mieux, surtout que j'ai un aval que le gouvernement mexicain fait à cause de ces milices. On a perdu notre terre d'enfance. Si. J'ai vu. Puis tout la mine d'or pendant nos queues. Maintenant que les Américains ont bien pillé toute la mine et qu'ils l'ont vidée à sec et qu'elle s'est effondrée. Ils sont partis, on n'a plus rien du tout. Oui, ben oui. C'est exactement pour ça que je disais attention, ils viennent miner chez nous, il faut fermer les frontières, mais bon. Ils ont quand même réussi leur méfait, ils sont partis. C'est vrai. J'aurais dû les abattre les premiers jours que j'ai vu là-bas. Si. Putain de mille, je m'en veux. C'est la faute à Pedro. C'est sûrement la faute à Pedro aussi. C'est toujours sa faute. Toujours la faute à Pedro. Toujours à Pedro. C'est mon Pedro, bravo. Bien compris. Bravo. Bravo Pedro. Bon. Et vous, ça en est où votre plan? Allez-y, équipage, expliquez si vous voulez. Allez, à l'abordage. On doit se tirer, donc, capitaine. Si, on se barre. Oui, voilà. Oui, on va s'en aller. On a amassé, les dollars et l'or et la veuve noire est au large, là, elle est affrétée. Mm-hmm. On a des chaloupes prêtes à partir. Donc, Putain de merde. Vous allez me laisser tout seul ici dans ce désert aride. Avec tous les compagnons mexicains qui tirent dans tous les sens. Bien sûr, il n'y a plus que les Castillo et des abrutis de Altruto et compagnie. Là, si. Et putain de gringos. C'est vrai qu'ils sont. Ouais. Je te souhaite bon amusement, vraiment. Le grand là, il est magnifique. Il avait convoqué tout le monde et il avait allé devant le gouvernateur et il avait tout fait péter la dynamite. Probablement. Il ne serait peut-être pas contre. Au moment que tu le ramènes des catholiques. Il y a une occasion. Si. Si. Est-ce que vous allez ramener beaucoup de poissons? Pedro, tu m'as fait chier, Pedro. C'est une Alcantara déguisée, lui aussi, ou comment ça se passe? Non, vous voyez, c'était la dernière goutte de papa. Il était déjà très âgé. Attendez, vous partez de 3 jours, vous partez pas définitivement, si? Si, on n'a plus rien à faire ici, seigneur. On attend votre pays, mais. Faire la mer. C'est vrai qui remet une question. Vous repartez autant que vous êtes mort ou c'est vraiment définitif? Et comment? On parle de quoi? De mort? Autant que nous sommes morts. Autant, oui, il n'y a pas longtemps, on a cru que vous étiez mort, vous n'étiez pas mort. Aujourd'hui, vous dites que vous partez, peut-être que vous partez pas vraiment encore. Ah, si. Vous êtes tellement une fourbe que je ne sais jamais. Si, cette fois, c'est officiel. Mais on ne s'est pas vu, Seigneur Castillo, c'est vrai. Bon, je vais vous expliquer pourquoi la mort. J'ai voulu faire un accord avec Blackwater, vous voyez? Il a pas voulu parce que j'étais mexicain. Donc, c'est ça, vous m'avez dit. Donc, du coup, vous avez mis Greenwood pour qu'il soit remédié. Mais même ça n'a pas fonctionné. Ils ne veulent pas de Greenwood, ils veulent le tuer. Non, ils veulent te tuer. Ça a fonctionné, ils veulent te tuer maintenant. Non, mais maintenant, oui. Vous étiez au courant que les Yoni et les Billy étaient en accord avec Blackwater pour récupérer la mine de sable. Vous l'avez dit, ça? Pedro nous l'a dit il y a 2 jours, non? Ou hier, je ne sais plus. Si, c'est ça. Et d'autres, oui. Nous, et donc finalement, les Billy et les Yoni, ils auront pris tous les Mexiques à deux sans jamais qu'on les voit. C'est ça, c'est la finalité de l'histoire. Bah, au final, c'est plutôt qu'ils n'ont rien pris et qu'ils ont disparu. Et que nous, ça n'a pas permis de bouger les choses, tu vois. C'est surtout ça. Ils n'ont rien fait, Billy et Yoni, à part subir les conséquences comme vous. C'est ça qui est dommage. Si, je sais, au courant, oui. J'aurais bien voulu leur parler quand même quelques fois, putain de merde. Ils ont quand même essayé de tuer Pedro, putain. Si. D'ailleurs, pourquoi il y a une prime de 100 dollars sur la tête là, pour les gouvernements mexicains? Sur la tête de qui? Ah, si, Billy et Johnny. 100 dollars. Ah, parce que ce sont des renégats, et donc le total, c'est 200 dollars. 100 dollars par tête. Ouais, j'avais une idée pour les contacter, pour voilà, mais au final, on va partir, donc peu importe, vous pouvez avoir les 200 dollars, et si vous les cherchez, ils sont du côté de Van Nord, Johannesburg, je crois. Il ne peut pas toujours faire l'appel, ici, avant que tu partes. L'appel. On avait une plan avec cet enfant, ce hijo de puta de Nikolai. Tout ce qu'il a essayé de faire alors que je lui ai laissé la vie sauf, c'est apparemment essayer d'engager les...
Si, les, il était là. Les idiotes, là. Ah, mais Nicolas, c'est les Russes d'hier. Oui, il y avait le Prussien. Ah là 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 là. Non, c'était pas lui, ça. Eh si, Nicolas, c'est celui qui est venu en disant qu'il est. C'est celui qui est venu avec les pioches. Nicolas, oui, c'est un russe. C'est celui qui est venu avec son fusil en disant qu'il voulait armer les Alcontro contre le Castillo. Il m'a dit ça à moi, Armadillo. Oui, tout à fait. Et après avoir pillé la main pendant des jours et des jours. Voilà, c'est ça, si. Et c'est quoi cette histoire de gouvernement qui veut attribuer à Orange ou je sais pas quoi là? C'est pour faire quoi ces putains de ranch de merde d'ailleurs ici? Quel ranch? Et c'est apparemment son ranch. Oui, ben c'est pour avoir du bétail et. Off. C'était pour être un petit fermier, quoi. Oui, c'est ça. Qui veut un ranch? Pedro. Pedro. Non, il ne veut pas de ranch. Louis, hein. Louis, il veut un ranch. Pardon, moi, il ne veut rien du tout. Bien cruel, les hermanos. Je pense que vous êtes d'accord avec nous, mais je pense que son nouveau style est perdu. Je pense qu'il est corrompu jusqu'à la mort par les Américains. Et qu'on va juste faire son confet de mieux. Les banditos allaient qui allaient directement voler tout chez les Américains. Et vivre que pour les Castilles. Tout le reste, il n'y a plus rien à foutre. Ah, c'est une voie de pensée directe, mais au moins efficace. T'es claro. On a essayé de faire beaucoup de choses pour ces putains de Mexique. Et le gouvernement, le nouveau gouvernement mexicain est en train de tout foutre en l'air. Donc ils vont se démerder tout seuls. Ouais, c'est impossible, c'est une terre perdue, on peut rien faire pour les gens ici, malheureusement. Oui, on est chiens fous. On avait fait tout avec du cactus, putain de merde. Des ponchons en cactus. Ah. C'est vrai qu'ils étaient bien, vos ponchons en cactus. Hein, j'ai essayé. Ouais. C'était un peu chaud comme ça, mais on s'y fait. C'est vrai. Ça pique un petit peu, mais on s'habitue avec l'état. Oui, il faut le mettre dans le bon sens, sinon ça pique fort. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que vous allez prendre la mer directement maintenant, vous aurez pu y aimer. On va aller faire la fiesta, une grosse fiesta à Saint-Denis, bien comme il faut. Vous y êtes invité. Oui, ouais, si vous voulez. On va au saloon, on boit, on fait tout ce qu'on veut et on montre qu'on n'a peur de rien. Et puis on vole un bateau et on s'enfuit. C'est vrai. Et si un jour vous revenez, vous pensez que vous pourrez me ramener de la pasta? La pasta? Les trucs d'italien? C'est le truc de l'opéra. Ah, il faut beaucoup parler de ça. Ah, si tu veux, avec plaisir, si on passe par là. Si vous voyez dans ces environs, vous me ramenez ça. Ah, bien sûr, bien sûr. On fait ça, avec plaisir. Moi, j'ai besoin de la baleine. La baleine C'est compliqué à voir. C'est plus compliqué, je pense. Bah, les baleines, déjà, oui. Toi, comme baleine, Pedro, puta. Rien n'est impossible pour l'équipage Cortez. Hein. Il faudrait qu'on monte un harpon sur la chaloupe baleinière et qu'on la lâche pour chasser une baleine, si c'est possible. Intéressant. Il est pareil, très cher. Tu viens sur le bateau alors, hein, Pedro. Tu seras notre baleinier harponneur. Et on te jette sur la baleine et tu l'accroches et tu la fatigues jusqu'à ce qu'elle soit morte. Ou sinon, vous chassez les grands requins. Vous mettez une corde autour de ces hijos de putain américains. Voilà, des Greenwood, vous les jetez dans l'eau, vous attendez qu'ils se fassent bord et vous remontez les pétales de requins. Oui, j'ai une bonne idée. C'est une bonne idée, en fait, vous, Greenwood, tu es pas d'accord? Mais je pense que les requins préfèrent les petits poissons. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est très bas, ça, monsieur Greenwood. Les requins ne se mangent pas entre eux, Greenwood, c'est vrai. Vous savez, l'avantage que j'ai cet appétit, c'est que tout ce que vous dites me passe au-dessus de la tête. Oh, pas mal. Ah là là, vous allez nous manquer, hein, mais un petit doigt me dit qu'on va bientôt se revoir. Hein. Et bonne chance pour le New Austin, vraiment. Armadillo, vous verrez bien, hein, laissez faire les choses, les gens se feront très bien. Vous savez. On va laisser faire les choses, on va voir comment ça va se passer. S'il y a de l'argent à prendre, des dollars et de l'or, on prend tout ça et on partira aussi d'un autre côté. Si, oui, muy bien. Ah, j'ai appris que vous aviez un accord d'immunité avec les Marshall, d'ailleurs. Si, t'es pas vraiment. Il sait même plus s'il est toujours en cours ou pas, parce qu'on devrait livrer les Bini et Yoni et ils ont été livrés, donc je pense qu'on n'a pas d'accord du tout avec. Si. Je pense aussi, oui. Il y avait Pedro qui devait donner des informations sur Greenwood, mais on n'a jamais voulu le faire. Bien joué, Pedro. Bien Pedro. Le problème, c'est si je croise les Marshall, je suis mort. C'est un peu facile, ça. Ils veulent te vendre pour 7 dollars. Ouais, Greenwood, même si on ne vous aime pas, on ne vous a pas livré, on n'a pas donné d'informations sur vous. Et moi, je vais, mais... Et vous avez tout fait de mal, je sais. Moi, oui, c'est vrai qu'on aura bien foutu la merde sur cette terre, hein, j'avoue. Sì, sì, sì. Sì.
Comme la fois où je me suis fait passer pour vous à Rhodes, hein. Ça c'était audacieux. Il y en était sûr que c'était vous. Il y en était sûr que c'était vous. C'était une belle soirée, oui. Ah oui, c'était magnifique, vraiment. Ouais. On peut se faire tuer et vendre. Nous avons hurlé. Tu as été vendu, Rhodes. Oui, j'ai été vendu. Et je vais être honnête avec vous, c'était avant de voir que vous étiez des personnes dignes de respect. De grandes personnes. Vous savez que je le savais. C'est plus après, toi. Je m'en doutais très bien. Si, comme on est dans les confidences et que je vous laisse passer cette histoire-là, donc on a failli se faire tuer. Vous savez, vos ravisseurs, vos kidnappeurs, les pépés. Si, si. On les a trouvés, on les a kidnappés. Oh. Et au lieu de vous les amener, on s'est fait $100. Vale. Et ils sont partis. C'est donnant. C'est parce qu'ils m'ont dit, moi, vous voyez que c'était eux qui vous avaient libéré quand vous vous étiez fait passer pour un Castillo Aro, des compagnies. Donc, je me suis dit, ah, il a voulu me baiser, donc tant pis pour lui, je lui donnerai pas son pépé. Donc, si on remonte le fil, moi, j'ai perdu des doigts de pied, vous avez gagné $100 grâce à ce que j'ai fait. C'est donnant. C'est vrai, par contre, c'est pas moi qui ai engagé les gens. Hein. Ils l'ont fait demain, apparemment, ils travaillent pour les mails de Rode et les mails de Valentine. Mais ils sont bêtes. Hein. Deux jours ouais, après, c'était réglé. Ils m'ont quand même attrapé. Le pauvre shérif, il ne savait pas où se mettre avec les fous à côté. Si ça peut vous revigorer un petit peu, quand on les a chopés, ils ont quelques blessures assez graves. Ils ont voulu nous tirer dessus, ces cabrons, dans les atoires. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas de. C'est très bien. C'est là que j'ai pu faire usage de mon joli petit rolling block. Et vu qu'ils pouvaient être efficaces. Vous savez, ils nous ont couru dessus, ils ont essayé de d'entourer Armando en disant qu'il était sous ce cheval et descend, lève. Oui, c'est le fameux. Alors il a tiré. Ah, tu as bien fait, seigneur, ce sont des fourbes, il faut se méfier d'eux. Il a aussi tiré sur les Indiens, tout à l'heure, je suis un exemple, vous savez. La prochaine fois, il tire pour tuer, hein. Surtout sur eux. Et vraiment, méfiez-vous d'eux, ils vont toujours être gentils, essayer de vous dire que vous êtes leurs amis pour ensuite vous la mettre à l'envers. Hein. Leur faites pas confiance, qu'on conseille. Il a remarqué ça, voilà. Vous êtes des putains américains, non? Oui. D'ailleurs, Greenwood, je pense que le mieux pour toi, c'est de partir. Hein. Rien qu'avec tous les Mexicains ici, ils veulent tous te tuer aussi. Ah oui. Ah, peut-être pas tous, mais une grosse partie. Un pequeño, surtout. J'ai pu comprendre, ça c'est, oui. C'est normal. Tu sais, ça c'est de la coiffure. Avant que tu partes, est-ce que tu pourrais au moins me donner les clés de l'armerie, ça serait bien. Oui, si tu veux. Bien, attends, je dois voir ça. Alors, voir vos entreprises, weapon, voilà. Théo, tu peux même me donner les clés du linge ici, si tu veux. Armando à Mario, hop. C'est parfait. Comme ça, il va oublier l'Ouest à cultiver la terre et à faire du bétail. Ah, oui. Tu dois rompre ton contrat précédent, encore la même chose. À l'ouest, ils ont envie de profiter qu'ils ont mis le bateau à queue pour se barrer avec eux. Ah, c'est toi la licence de la mine, quoi. On se fait chier à ramener les Américains à Fruitville toute la soirée et ils ont cru qu'on a le temps de faire autre chose. Pour le ranch. En fait, le gouvernement m'a expliqué. Et c'est bête, mais je pouvais donner un ranch, il faut juste que je fasse payer les taxes. Il n'est pas vraiment à $2000, vous voyez, c'est un panneau indicatif pour dire. Il faut passer par le maire, mais il ne savait pas, donc voilà, ça aurait pu se faire. Mais ça aurait été combien comme ça pour le titre formatif? Je ne sais pas, j'aurais demandé $20 la semaine, un truc comme ça, jusqu'à tout rembourser, tu vois. Toi, de toute façon, je vous dis que c'est pour cultiver de la terre et des trucs. Moi, je ne suis pas un cultivateur, je suis un conquistador. Oui, je comprends. Tu dois rompre ton contrat, hein. Armand. Je ne sais pas, je n'y ai plus. Pour le désir. Ou alors ton patron de te renvoyer. Ah, tu veux dire que moi je dois le renvoyer? Potentiellement. Oui, je pense que tu dois me renvoyer. Ça tombe bien, ça fait des années que je vais te renvoyer. Donne-moi ton contrat que je le déchire. Bon, on fait un peu et de. Je te donne le contrat. Un peu de gestion. Ah, mais j'ai perdu mon contrat. Ah, trop de papel. Ah, si, il est trouvé, il est à côté de mon fusil. Beaucoup trop de papel. Bon. Il faut t'accrocher, monsieur Greenwood. Hein? Réfléchissez à ce que vous voulez et on fera bonbon ce soir. Ce sera rhum et compagnie. Hein? Si on en trouve. Ah oui, du rhum. Du rhum des femmes. Vas-y, essaye. Ok.
Et de la Faut qu'on repasse Armadio de toute façon. Voilà, c'est ici. Ouais. Et voilà. Bon, il faudra quand même qu'il y ait quelqu'un qui gère tout ça, s'il n'y a plus de nous, mais bon, tout, il faudra tout refaire à mon avis, mais vous arrangerez. C'est fait. Et très bien, on va faire ce qu'on peut essayer. Muy bien. En tout cas, si vous avez, vous allez aller directement à Saint-Denis là-bas. Aucune idée, ça va dépendre de qui on croise, mais je pense qu'on va se diriger vers là, si. Ouais. Vous comptez partir vers quelle heure? Pour quelle bonne idée? Oui, non, quand il va vous dire coucou, au revoir et réclamer sur le poteau. À Saint-Denis, ça va dépendre si on se fait tuer ou si. 22h30, 23h. Ouais, peut-être un peu plus tard si on a beaucoup bu, mais oui, 23h, oui. C'est pas mal. Hein. Ça dépend un petit peu de la soirée. Oui. Vous avez sûr que tu arrives jusqu'à Saint-Denis, mais. Nous y arriverons. Oui, on va y arriver. Avec tous les marshals. Ne vous inquiétez pas. On les tuera. On sait se faufiler. Ok, perfecto. On va être sous les coups de 23h, peut-être. Vous êtes toujours là, on pourra en dériver avec vous. Hein. On vous regarde un peu partir en éclat. Avec plaisir. Ça marche. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé, messieurs. Restez en vie et vive à New Austin. Libre. Tu t'es fait. Bonne chance. Adios. Allez, à très bientôt. Hein. Bon, il faut qu'on aille voir. Il faut qu'on aille voir. Du grand guerrier. Castillo. Au revoir. Vous y arrivez, capitaine? Non, il n'y arrive pas. C'est lui, non? Pourquoi? Ah, si. Pas la mine en ta balouée de la nouvelle. Dis-moi pourquoi tu vas aller voir la mine. Voy a aller, je te dis. Allez, à bientôt. Et. Nous allons récupérer l'or de la banque. Non, mauvaise idée. De toute façon, c'était les connards, ces Mexicains. Je suis d'accord avec toi, Skull. L'or de la banque, il y en a encore à nous, mais. Ce que nous avions avant. Oui. Non, on prend ce qu'il y a à nous et. Oui. Sinon, ils n'auront aucune chance de s'en sortir, les pauvres. Je vais vous dire, j'ai déjà fait transférer tous les lingots qui étaient à nous sur le bateau par chaloupe hier soir pendant la nuit. Vous êtes prévoyant, hein. Ah, tiens. Le fourbe. Toujours à coup d'avance, capitaine. Mm-hmm. Il fallait, il y avait le beaucoup serpent. D'or. Hein. On a dû faire 3 allers-retours en chaloupe. D'ailleurs, les natifs sont passés hier, capitaine. Ah bon? Oui. Ils demandaient où était le serpent. Tu leur as dit dans la tanière du serpent. Je lui ai dit que le serpent allait bientôt fondre sur l'aigle et injecter son venin. Oh, je te lis ça. C'est beau, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez les enculer bien profond, capitaine. Mais c'est les Américains. Mal poli de dire ça. Hein. Pardon. T'es pas vulgaire comme ça, hein, Skull. Je ne suis pas vulgaire, capitaine. Bon, je dépose mon insigne, moi. Oui, c'est mieux. Et si vous pouvez déchirer mon contrat en tant qu'armurier également, capitaine? Pourquoi? Je sais bien. Bon, je ne sais pas. Ouais. Si ça sert à rien, il n'y a pas besoin. Si tout va bien, tout va bien. Pourquoi tu veux me tirer dessus? Je ne vous vise pas. Tu vises quoi alors? Il y avait un serpent. Il y avait un serpent. Il y en a partout, dans cette direction. Il est frais et il est chaud. Bon, ça va être dangereux, hein, je vous préviens. Ne prenons pas les routes. Sans danger, la vie est insipide. Hein. Exactement. Tout à fait. Ça peut pas dire que l'océan. Vous voulez qu'on attende pour voir le gouverneur, ce qu'il va dire? Hello, hello, belle bouche. Laetitia. Pourquoi pas, mais. Il risque de pas être très content.
Oui, vous avez raison, partons tout de suite. Vous parlez du gouvernement? Oui. Oui. Mais non, partons comme des lâches. Vous avez entendu les crieurs, par hasard? Oui, c'est pour ça qu'ils parlent de ça, le gouvernement. Je suis un sorcier et un prêtre. Ça, il n'est pas entendu. Moi non plus. Si, si, apparemment. Coach Eji. Je suis recherché pour avoir frappé Monsieur Leblanc pour avoir usé de sorcellerie. Mais pour pas les États-Unis. Oui, c'est cela. Oui, oui, est-ce que vous avez toujours ce problème d'inattention? Ça va, vous? C'est vrai. Oui. Belle bouche. Mise de la Confédération de chasse. Tu vois, on aura un compte à régler une fois qu'on sera arrivé à Saint-Denis. Concernant quoi? Vous verrez. Ah, les comptes à régler, j'aime bien ça, ça me rappelle l'équipage. Ah, on va faire un vote à mal levé. On réglera ça comme des hommes sur Greenwood, hein. C'est quoi l'histoire, Greenwood? Tu lui as manqué de respect? J'en ai aucune idée. C'est quoi l'histoire, Grondin? Vous êtes les trois hommes sur Greenwood. Qu'est-ce que t'as fait, Greenwood? Eh bien, rien de spécial. Bah, apparemment, si. J'ai recroisé le shérif. Qui vous avait manqué de respect. Il est venu à Armadillo et je lui ai dit de repartir si vite que possible. Pourquoi il est venu à Armadillo? Parce qu'il a quitté Blackwater, il trouve que ce sont des tarés. Ah bah oui. Ah bon, mais. Et pourtant il passait bien dans le décor, hein, lui. Ouais. J'espère que vous l'avez envoyé paître, M. Greenwood. Je lui ai dit qu'il n'était pas le bienvenu, nous avons discuté, je lui ai dit de repartir, de ne pas venir accompagner la prochaine fois. Ouais, j'aurais bien aimé le voir et lui parler entouré d'hommes chez moi pour voir s'il avait trouvé une aussi grande gueule. En vrai, il était sympa. Hein. Il était marrant. Et si on passait par T-Blanding? Allez. Allons-y, oui. Et si on passait par T-Blanding? Très bonne idée, grand quartier maître. Et si nous passions par T-Blanding, messieurs? Ah, c'est pas Skull, je la sens pas ce coup-là. Non, Skull, c'est un peu présomptueux. Oui, c'est un peu trop, tu vois, tête baissée comme ça, là. C'est pas assez réfléchi. Oui, bas les masques, j'ai envie de dire. Comment? Vous voulez que j'enlève mon masque? Non. On a déjà vu assez d'horreurs dans notre vie. Si on meurt, des loups, accélérez! T-Blanding. Si, si. Je n'ai pas sur la droite. On peut passer par là puis aller à droite, mais si. Je croisais des juifs. Suivons les rails. Le procès des juifs, encore? Oui. Pour quelle raison? Ils sont juifs, j'imagine. Il y a des chances. Et tout droit, oui. Tout droit, oui, il me semble. Donc, vous tournez à gauche, hein, pour traverser la frontière sur le pont. Le pont est caché, non? Il me semble que les ponts et le rail... Oui? Eh oui, il est caché, il est détruit. Ah bon? Ah oui. C'est très simple de passer par là.
Nous avons pas du skull, non? Et ici c'est cassé. Ah non, il est là. C'est tout droit encore, à droite. Et ici on peut traverser à gauche, vous allez voir. Discret, on passe facilement. Capitaine. Il suffit de traverser, il n'y a presque pas de courant, on est discret en dessous. Chose. Ça tire. Et Loganwood. Où est-ce qu'il est? Il est par là, ben, venez. Skull. Mais Loganwood. Là, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu nous as pas suivi? Aïe! Oh, pourquoi? Je crois que nous avons trouvé Greenwood. Oula. Aïe aïe, attention, attention. Eh ben, on n'est pas sorti sur la mer. Et j'avais pris le pont, moi. Oui, il faut rester avec nous, c'est le lieutenant. Et il me semblait que nous ne pouvons pas passer sur les côtés, c'est un peu dangereux pour les chevaux. Non, non, ça nage bien, t'inquiète pas, ça va vite. On est plus discret, en fait, que par les allées. C'était moi pour vous alerter, que j'étais ici. Allez, venez, on va pas traîner, hein. C'est la frontière, vous voulez qu'on aille par où? On va regarder un peu. Alors, on va vers Strawberry. On va vers Strawberry, et puis après on va à l'est, et puis on va vers Saint-Denis. Ça vous va? Très bien. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Vous ne voulez pas revoir les natifs, capitaine? Arrange ton arme. Ça sera plus discret. Les natifs. On s'en fout des natifs, non? Oui, c'est peu, vrai oui. Que. Non, les natifs, on s'en fout pas. J'avais croisé un aujourd'hui, on avait discuté, j'aurais proposé du sable pour faire du verre et tout ça, mais. Et il devait revenir en discuter, mais bon, vu que nous partions. Ah, dommage c'était pour eux. Chez toi, là? Oui. C'est vrai? Là, c'était chez toi, Patty Blanding, si? Il pense toujours que je suis mort une bonne partie, non? J'espère. Ouais, j'ai vu un truc. Ok, ok. Ah, c'est sympa, mais t'es tout prêt. Non, pas vous faire. Je pensais que t'étais arrêter. La fédération de chasse tout dans le nord. Avant d'arriver. Faudrait qu'il me passe sur le corps d'abord. Ouvrez les yeux et ça devrait bien se passer. Hein. Mm-hmm. S'il y a quelqu'un qui nous poursuit, on le met en joue, on le désarme, on le fait descendre de cheval et puis on fait perdre son cheval et puis on se barre. On tue son cheval, oui. On tue son cheval si on n'est pas trop près d'une ville. Ou alors on le tue à l'arc, ça peut être bien aussi. Ah oui, mais j'ai pas d'arc moi. Ah, j'ai un arc là, sur la selle du cheval. Ah, vous êtes à la frontière, ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je t'ai jamais croisé, je pense. Je t'ai pas croisé en jeu. Dommage. Mais on se croisera sur les prochains persos, j'en suis sûr. Oui, on est passé plusieurs fois à la fédération de chasse. Yep. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bien le bonjour. Oh.
Hola, hola, tos. Hola, Cuisto. Bon, si t'es pas là ce soir, on t'a envoyé en bateau sur la Veuve Noire. On t'a envoyé en barque faire des allers-retours avec de l'or et tout. Ça va aller. Ça va aller, il est solide. Je sais pas si tu te causes ce soir. Ah, t'as une maison à toi en plus. Ouh, pas mal. Ça marche bien quand je fais mon fermier, non? Je vous ai pas entendu, vous avez fait le fermier? Oui, nous ne vous avons pas entendu. Ah, c'est vrai, j'ai fait yop. J'ai fait yop. Je suis un fermier américain. C'est vrai. Je vis dans une ferme. I'm fucking farmer. I'm fucking farmer. Farmer, you know what I mean? Ici, mon ami. I'm going with Texas. Mississippi. Ouais, c'est ce que je me disais. Bon, on va probablement arrêter le projet là. Ah, vous le faites vraiment bien par contre. Nous suivons la route à présent. Ça vous dirait qu'on aille à Strawberry directement? Apparemment ils sont catholiques et on pourrait peut-être discuter avec eux. Ou... Ouais. Ah. Yup. Voilà. Ah, parce qu'ils rentrent dans tout le monde aussi. Ils ont dit hola! Attends, mais C'était plus un hola de. Un peu comme le fermier que j'incarne quand je prends. Eh oui, ils ont voulu nous berner! Hola! Hola! En fait, ils nous volent notre langue en plus, hein, c'est ça le prix de Gringos! Ils nous volent notre langue! Ils nous volent notre langue! Comment ça, notre langue? Ben, hola, c'est espagnol! Et vous n'êtes pas espagnol, capitaine? Mais non, cubain. Mais putain, c'est une métaphore, enfin, c'est une façon de parler, là, je suis maire d'armée, enfin, j'étais... Je pensais que c'est... C'est un problème. Pirates, Que passe, quel est le problème? Mon cheval est beaucoup trop fatigué. Ah ben, descends, monte sur le mien. Vous allez devoir me tuer. Descends, monte sur le mien. Ou je te tue. On tue ton cheval. On tue qui, le cheval? Non, viens, monte, on fait pas de coup de feu ici. C'est juste Allez. Pour ça? Juste pour ça que vous dites que... Je pensais que vous alliez me protéger, capitaine? Ben, si tu veux mourir, c'est ton droit de pirate, hein? 12 ans. 12 ans de service. Pour ça. En 12 ans, t'as jamais été assez stupide pour me demander de te tuer, hein, cabron? Non, c'est vrai. Je savais très bien que vous alliez le faire, capitaine. Oui, j'ai essayé à maintes reprises, mais à chaque fois tu servis, j'en peux plus. Voilà, comme vous, hein? Mais moi j'ai jamais essayé de me tuer, hein. Bon d'accord, c'est un acte, on peut être. Ah, mais non, on sait pas kidnapper tous les 10 jours, hein. Non, on sait pas kidnapper tous les 10 jours, hein. Ah, foutez ma gueule, capitaine. Capitaine. Bah, si, mais foutez votre gueule, capitaine, hein. J'oserais pas, grand dent, j'oserais pas, vraiment. Moi, depuis, j'oserais pas, capitaine. Hein. Tu es tellement méchant avec tes grandes dents là qu'on dirait. Moi aussi. Tu vas grandiner sur les gens. Oh, pas mal, pas mal. Oui, j'essaye, hein. Impressionnant. Oui, capitaine Cortez, j'adore le texte. J'adore quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'adore la mer. La mer, oui. J'adore la mer. Yop. Vous allez faire quoi? On va en discuter tous ensemble? Avec toi aussi, si tu veux. Est-ce que l'un d'entre vous parle pour l'instant? Non. Là, tout va bien. Toi, oui. Très bien. Je suis désolé, j'ai reçu quelques coups à la tête. Oui, je sais, c'était hier, non? Hier soir. Quand tu étais un peu ivre près du salon, oui, c'est pas moi. Oui, c'est, pas qui c'est a fait ça. Ça. Enfin, ça fait 12 ans que tu as reçu un coup à la tête, ce que là. Oui, oui, ça fait longtemps, même plus que 12 ans. Oui. Ça doit expliquer mon comportement un peu bizarre. Je voulais dire, c'est très étonnant que nous soyons déjà arrivés là sans se faire prendre. Ah là, on va faire quoi? Bon, on va aller à Saint-Denis, se bourrer la gueule et faire une bonne grosse soirée de débauche avant de piquer un bateau pour se casser et rejoindre la Veuve Noire. Étrange. En gros. Étrange, n'est étrange que l'étrangeté. Hein. Et le bon sens n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça n'a pas de sens ce que vous dites. Et il faut pas croire ce qu'on croit, hein, parce que...
Oui, tout à fait. On peut pas piper les dés par dépit. Ouh, oulala, oulala. On peut pas piper les dés par dépit. Là, c'est dur à dire. C'est ça. On peut pas piper les dés par dépit. Et tu en as d'autres? Oui, je pense, oui. J'ai remarqué que tu pensais, mais tu en as d'autres. Il y a des cas qu'on croit crus. Attendez, non. Il y a des cas qu'on croit cuits où tout le monde est cocu. Il y a des cas qu'on croit cuits où tout le monde est cocu. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et vous avez entendu derrière? Tout à fait, oui. Comment? Il y a des cas qu'on croit crus, mais tout est cuit. Non, non. Il y a des cas qu'on croit cuits quand tout le monde est cocu. Oui. Ah oui, c'est ça, oui. C'est cela, oui. Ou quiconque est cocu. Je comprends plus rien, là. Oui, c'est pas grave. N'est stupide que la stupidité, grande. Dites que je suis stupide? Non, mais tu vois, la vie, c'est un peu comme une boîte de chocolat, grande. Oui. C'est-à-dire? Eh bien, c'est très bon à manger. Oui, c'est ça. Mais ça donne des caries. Moi, j'en ai déjà plein, hein, vous savez. Ah là là. Nous sommes près de Rhodes. On est en roue libre. Bah, profitez-en pour aller brûler la ville, non? La dernière fois, on a déjà brûlé la ville, on a braqué la banque, on a fait exploser des trucs, je me suis évadé trois fois. 3000 dollars. D'accord, à quoi évadé? Trois fois en tout de Rhodes. Ouais. Une fois. Vous êtes à 5. Une fois d'une pendaison, une fois d'un marquage au fer rouge et une fois d'un enlèvement. Et vous, jamais, grande entité, jamais évadé de Rhodes, hein? J'avais besoin, monsieur Greenwood m'a sauvé. Ah bah justement, si on allait te livrer à Rhodes en disant que tu es un Morico libre, et puis ensuite on te sauve. Oui, qu'on recommence cette triste soirée. J'allais faire un plan avec les juifs, vous savez, c'était qui me... Attendez, c'était quoi déjà le plan? Il me vendait à quelqu'un. Oui. Ensuite... Il me laissait partir avec le propriétaire. Ensuite, il venait me récupérer. On tuait le propriétaire. Et moi, il me libérait et on faisait 50-50. C'est brutal. T'aimes bien. On n'a pas eu le temps de le faire, malheureusement, mais c'était pas mal, hein. Oui, ils vont peut-être mourir, d'ailleurs, les juifs, là. Ouais, vous pensez? Bah, s'ils ont un jugement, c'est soit la mort, soit la mort. Ah, ils sont recherchés aussi. Oui. Tout le monde est recherché dans ce pays. Oui, tout le monde qui est du New Austin, en tout cas traite avec le New Austin, recherche ici. Quoi qu'on porte malheur? On n'est pas beaucoup allé dans les bayous là-bas. Je me demande s'il n'y a pas un petit camp ou quelque chose où Pépé et sa bande se cacheraient, parce que je ne sais pas où ils sont. J'aurais bien aimé qu'on le tue avant qu'on s'en aille, capitaine, quand même. Hein. Mais oui, ça serait un beau cadeau de départ. On pourrait crier Pépé! 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 Il y a Pépé, Jackie, Noé et une femme. Jackie, espèce de vieux consanguin. Ça va, tu nous entends bien tout le temps, Skull? Oui, oui, sans problème. Oh, mais magnifique. J'entends beaucoup moins Greenwood, qui parle beaucoup moins, j'ai l'impression, mais... Il n'arrête pas de parler, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Non. Mais tous les trucs sur toi là et que tu étais censé faire, que tu n'as pas fait. Mais non, je rigole, range ça. Non, je vous entends très bien. Et vous, est-ce que vous n'avez pas de problème? Je veux dire, je ne parle pas en même temps que vous. Non, mais non, tu parles pas en même temps que moi, sinon je t'aurais déjà insulté. Et Greenwood, s'il parle pas, c'est sûrement parce qu'il est en méditation transcendantale, en train de parler avec son chat. Non, je pense qu'il est en train de bouder. En train de parler avec son chat. Oui, c'est une méditation transcendantale. Absolument. Ah, c'est une forme de chakra, oui. Oui, c'est une forme de chakra. Oui, le chat de Kra. Le chat de Kra. Le chat de Kra. C'est une belle bâtisse ici, là. Peut-être a-t-il perdu son chat. Mais non, mais son chat, c'est une divinité. C'est une divinité son indienne. Son chat. Je suis absolument pas avec mon chat. Il est concentré. Vous êtes avec qui, alors? Ah, attention, parce que ici. Attention, le galop. Ah oui, ici on peut pas courir, on peut pas tirer, on peut rien faire. Mais nous sommes des pirates, non?
Oui, mais si on mettait des pirates... Jamais raison, ouais. Mais c'est pas vrai, c'est pas faux, ça. Ce n'est pas faux. J'ai envie de survivre, quand même, avant d'aller prendre le bateau. Que faisons-nous? Nous allons au bateau, voir... Enfin, nous vérifions le bateau, ou nous allons faire un petit tour au salon d'avant? On peut aller voir les barques, et puis on peut aller au salon juste après. Très bien. J'espère qu'il y a le bateau à vapeur qui est là. Merde, d'ailleurs, on a l'argent pour ça. Vous êtes sûr? Ben non, c'est une question. Eh ben non, nous l'avons... Enfin, nous avons peut-être une chaloupe, $20, $30, je ne sais plus. Merde. Bon, notre travail sera d'avoir cet argent avant de partir. Eh ben, il y a une banque, faisons après. Non, on va prendre cet argent là où il est, parce que tout nous appartient. Tu comprends? Non, capitaine. Quoi? Non, ce n'est pas une bonne idée, capitaine. Comment ça, c'est pas une bonne idée? On a déjà parlé, capitaine. Vous parlez d'Armadio? Parle de quoi? Non, on parle de... Il y a plein de gens, on regarde partout. D'accord. Non, je pensais que vous alliez braquer une banque. Et je braque pas toujours les banques quand je vais dans une ville. Vous êtes sûr? Des fois, je braque d'autres choses, des saloons, les gens aussi. Ah, pardon. J'ai été très médisant. J'ai été un vilain garçon. Oui, ça enfin, va, ça va. Doucement, Skull. Sinon, je t'envoie sur le cheval de Grandin. Non, c'est bon. Si. Le quartier maître est censé t'en occuper. Hein. Je vais donner une petite fessée. Ah, allez. On se trouve, ce bateau. L'air du large. C'est bien les grandes corriganes. C'est beau. Il a même pas de voile, capitaine. Il a pas de voile, mais c'est un gros bateau à vapeur. Il y a seulement plein de richesses dedans. Ça n'arrive à le voler. Oui. C'est vrai. On va sur les quais. Ouh, le train va partir. Le train va partir, tu as vu? Vous voulez qu'on attaque le train? Pitié, allons-y. On attaque le train? Et pas ici! Arrêtez ce train! Arrêtez ce train! Mais on va pas attaquer le train, il a vraiment attaqué le train. Il est monté. Greenwood! Oui, descend! Mais descend! Tu vas faire que tourner. Aïe, Greenwood! Oh! Allons la chien! Moi, je veux bien qu'on attaque un train, mais on attend un peu qu'il soit sorti de la ville d'abord, c'est non? Devenu fou, monsieur. Mais rentrons dedans et ensuite nous restons à coup. Bon, d'accord, mais il nous faut des chevaux qui suivent. Ah, ouais. C'est trop tard maintenant, j'ai plus. Nous n'avons plus le. Bah, si, on pourrait, mais. Emmenez-moi voir un médecin. Mais non, ça va aller. Mais non, c'est l'âge, ça, c'est l'âge. Devenu fou, monsieur Greenwood, j'ai l'impression. Devenu fou. Devient sénile. Vous sautez sur un train? Je pense pas que vous saviez ce que ça signifie, sénile. Bah si, c'est vous, non? Absolument pas, non. Greno, tu m'as l'air pressé de reprendre la mer. Hein. Ouais. Et je n'en peux plus d'être ici. Bien, si tu veux, prends la chaloupe et... Allons voir combien cela coûte. Oui, bonne idée. Allons voir. J'ai $7. Scorg, il en peut plus là. Il veut wipe. Allez, va voir. C'est extrêmement cher. Hein. Bord de la queue. Combien? Bateau de pêche $90. Un bateau à rame 80. Une pirogue 60. Ils me vendent même des canoës à tronc d'arbre. Ah putain, on aurait dû aller voir le gouvernement et leur dire qu'on avait baptisé les autres. On aurait eu $100, on aurait pu acheter. Oui. Aïe. On peut en voler un? On peut voler pour $100 dans la ville. Celui-là, non, là-bas, celui-là. Oui, j'ai $7 sur moi, là.
16$, super. J'en ai 8. Payer une soupe et un bain. Moi j'ai 20 cents. Bon, allez loin, messieurs. Monsieur Greenwood. Nous aurions dû nous arrêter à la banque. On va braquer la banque. Monsieur Greenwood. C'est une option. C'est le moment de faire le point, vous et moi, là. Qui est-il? Oui, parlez-vous, hein, c'est un ordre, ouais. Hein, c'est important. Est-ce que le va un petit peu plus loin et... surveiller ce que... Oui, oui. Je ne comprends pas. Pourquoi vous pleurez? Je pleure pas. Je me contrôle. Pour pas vous fracasser le crâne contre la rambarde. Ah bon? Ouais. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Berry? Oui. Enfin, non. Ma femme, mon âme sœur. Comment ça, votre femme? La dame de ma vie, elle n'était pas encore au courant. Ah, la grognasse de Strawberry? Capitaine, un peu de respect, s'il vous plaît. Ah, pardon. Je ne sais même pas qui est-ce. Je suis passé à Strawberry. Elle n'est pas morte? Pour demander des nouvelles. C'est pas ce qu'ils m'ont dit. Monsieur Greenwood. Oui. Ils m'ont dit, eh ben, voilà-t-il pas que la dame Berry, on l'a pendue? Ah, bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire? Monsieur Greenwood. J'ai cru entendre que vous voulez l'emmener sur le bateau. Bah, c'est plus possible, malheureusement. Ce vous savez grâce à qui? Il n'y a pas une histoire comme quoi ça porte malheur, les grâce femmes à vous, sur un bateau? Non, non, non. J'avais de grands projets avec elle. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous la bannissez d'Armadillo? Qu'est-ce que vous faites ranger votre arme? Je le savais que tu étais un traître, Greenwood. Je voulais pactiser avec les gringos, hein? Pour m'éliminer. Vous pactisez avec les gringos et vous me volez ma femme? Vous l'emmenez à la mort et vous pensez que ça se passait comme ça? Mais je n'ai été aucune... Je ne savais rien. Vous n'êtes même pas vraiment... Regardez votre dégaine. Vous êtes un faux marin, vous ne connaissez rien. Ah oui. C'est vrai qu'il est jamais monté sur un bateau. Si, je suis déjà monté sur un bateau, pas un bateau de pirate. Jamais avec nous, Greenwood. Avec nous. Mais c'est normal, je vous ai rejoint entre temps, capitaine. Vous m'avez promis de monter pour vous aider. Est-ce que tu as pactisé avec les Américains pour me renverser? Absolument pas. Bon, ça va alors. Désolé, hein, lieutenant. C'est jamais. C'est Greenwood quand on sera sur la mer. Attention, une vague peut vite vous faire tomber à l'eau. Ah oui. Ouais. Un boulet de canon pourrait tomber sur votre pied aussi. Bon, vous savez, je connais le bateau comme ma poche. Bon, grand ami. Vous faites des menaces à votre capitaine. Lieutenant, c'est ça, hein? En face de votre capitaine. Non. Comment ça, capitaine? Tu veux devenir capitaine à ma place? Mais non. Vous avez vu, monsieur capitaine? Ah bon? C'est la preuve qu'il peut vous trahir. Oh, ça va. Mais je lui ai dit de regarder. Et non, il est parti faire. Il est sur un toit. Oui. Je te préviens juste que. Que la mer peut être dangereuse, surtout pour des vieux monsieur. Des vieux monsieur séniles. Quartier-maître. Vous êtes encore jeune, la vie est peut-être courte pour vous. Quartier-maître, il faut régler cette histoire, il ne faut pas pleurer pour une chic, hein, c'est pas grave. Je ne pleure pas, je lui explique. Si tu pleures là, le sang d'une innocente. C'est quoi cette larme que je vois? Le sang d'une innocente, mais vous êtes un pirate ou vous n'en êtes pas? Un pirate aussi, attend d'avoir des sentiments. C'est Greenwood. Ah oui, là. Pas pour une chica. Faut choisir. Chica, moi. Je suis pas d'ici, hein. Mais elle était même pas belle. Voulez-vous marier, avoir des enfants, avoir une maison, c'est ça? Non, elle était trop vieille. Elle aurait pas pu enfanter, Grandin. Elle avait 25 ans. C'est vrai? Oui. Elle en faisait 50. Hein. Oui, bon, ça elle faisait très très vieille. Oui. Bon. Attends, elle a 25 ans, elle avait déjà une fille de 12 ans. Elle t'a berné, hein, Grandin. Mais elle avait pas de fille. Et si, elle avait une fille. Ah non, elle avait un bébé. Oui, parce que en plus d'avoir amené la mort d'une femme, vous avez amené la mort d'un petit enfant, un bébé, un nourrisson. Comment ça, il est mort? Oui, ben, elle l'a cherché, hein. Elle avait qu'à pas venir au New Austin. Elle est morte ou... Enfin, le bébé est mort ou... Il était dans son ventre. Vieux sénile, va. Je croyais que... Mais vous vous racontez des choses, vous n'êtes même pas sûr. Si, je suis sûr. C'est que je viens de me rappeler qu'elle était enceinte. Ah oui, donc vous... Vous êtes amoureux d'une personne, vous ne savez rien de votre non, vie. Non, c'est que je suis chamboulé encore. Non, c'est que je suis chamboulé, monsieur Greenwood. Ah non, on n'est pas chamboulé quand on aime. Oui. Ah, vous en tout cas, attention sur la mer, c'est tout ce que je peux vous dire. Et non, mais non, moi je veux pas de ça à bord de mon bateau, car tu mettais quoi cette histoire? On va faire un vote. Je termine maintenant. Non, on va faire un vote, on va faire voter l'équipage s'il reste quartier maître et comment ça se passe avec toi, et puis le vote sera à l'unanimité. Hein. Mais voyons, c'est avec l'équipage, oui. Oui. Sur le bateau. Oui. Ou alors, foutez-vous sur la gueule, là, ici, et celui qui gagne, il a raison, et l'autre, il ferme sa gueule. L'équipage me suivra, moi, et pas vous, monsieur Greenwood. Parce que moi, je leur parle, moi, je les écoute. Et moi, je suis là quand ils vont pas bien. Ah oui. J'ai pu voir ça pendant toutes les longues semaines, oui.
quand vous êtes venu pleurer hier soir, surtout. Je ne pleure pas, c'est quoi ces histoires encore? Parce que vous ne me faisiez pas respecter. Pour un quartier maître, ce n'est pas... Par les habitants de la ville et pas par l'équipage, idiot. L'équipage aussi, l'eau vous ne respectez pas apparemment. Vous en avez discuté hier ensemble, devant le capitaine et moi. C'est autre histoire ça. Je ne crois pas, non. Bon, non, raison. Et si on allait boire un verre pour fêter cet accord, hein? Oui, on ira voir s'il y a des chicas hein, pour Grondel. Ne vous laissez pas faire. Attention qu'il n'y ait pas de poison dans votre main, monsieur Greenwood. Absolument. C'est une ville pleine de malice. Il y en a un de vous deux qui va passer à la planche, je vous préviens. Et moi, je pense que j'ai une idée de qui ça peut être. Et moi donc? Moi, je ne sais pas du tout lequel de vous deux, mais ça va se décider vite. Hein. On tirera au dé, hein. À la pogne. Oui. Bon, les saloons. J'ai tué plein d'enfants, plein de femmes, et pourtant, personne ne m'ennuie avec ça. Oui, c'est vrai. Bien, alors, on va pas braquer la banque, du coup. Et je pleure pas, moi, d'accord? Non. C'est normal de pleurer, Grondin. Non. Tout le monde a des larmes de fatigue, des fois. C'est le stress, hein. Tu dors pas beaucoup, tu as beaucoup de choses à gérer. Tu vas rentrer en mer. Moi aussi, je pleure des fois, Grondin, quand j'ai de l'eau salée dans les yeux. Ouais, moi aussi, mais c'est que quand j'ai de l'eau salée dans les yeux. Ah oui, mais il y a beaucoup de sel, hein, Armadillo. J'ai beaucoup salé. Il y a beaucoup de sel en Amérique. À l'Est. Elle était bonne, hein. Pas mal, pas mal. Je vais la noter. Moi aussi, je pleure souvent. Regardez cette ville, elle est belle, hein, vraiment. Ici, il y a moyen de... Elle est belle, oui. Il y a des petites ruelles et des petits trucs, je suis sûr que... Non, c'est... Aussi belle que Madame Berry. Si nous étions, je ne sais pas, moi, italien, par exemple. Non, passez sous race d'italien. Ou chinois. Non, pas les chinois, c'est le pire. Ouais, c'est chaud, les plus fourbes. Oui, mais les italiens sont fourbes aussi. Hein. Oui, mais les chinois sont encore plus fourbes, ils pratiquent un art mystique. Qui vous ferait tomber de votre cheval. Ah bon? Ah oui. Ils appellent comment? J'ai pu entendre des gens. Ils appellent ça la boxe chinoise. C'est bien, très ça. Original comme nom. Attends que j'y pense. Ce n'est pas en Chine qu'il y a ces espèces de gros messieurs qui n'arrêtent pas de manger. On y est. Non, c'est la banque, ça. Ah oui, tout à fait, oui. Braque la banque. Non, tu m'étonnes. Hola, señor, c'est un hold-up, les mains en l'air. C'est un hold-up, oui. Ne prends pas au sérieux. Il n'est pas coopératif, hein. Oui, je tire. Bah, non. On braque vraiment la banque? Mais non, c'est une blague, c'est une blague. Mais j'ai sorti mon arme, capitaine. Bah, moi aussi, j'ai braqué le banquier. Je n'ai plus un hold-up. On rigolait, seigneur. C'est une blague, souriez un petit peu. Nous allons vous prendre 20 dollars chacun. C'est une bonne idée, comme ça on peut prendre le bateau. Je peux récupérer l'argent, capitaine. Récupérer quel argent? De... Ah. Non, ne faites pas. Non, prends pas ça, laisse tout. Il y a 39 dollars et 9 milliards. 0,00001. 9 trilliards peut-être. Bon, faisons après. Si. Comment ça, hein? Comme ça, tu me refuses les 20 dollars? C'est le moustachu, ouais. Ah ben. Dommage. C'est parce que je suis libre. Eh oui. Tant pis. On va vraiment être obligé de la braquer. Non. On veut un bateau pour faire notre scène d'adieu. Mais ça coûte... Ça va être long, cette histoire. 90 dollars et on les a pas. Mais allons boire un verre. Ouais, si, allons boire un verre. Ah, j'y vais à pied. C'est juste là. Très bonne idée. Tu regardes, toi.
On va pas trop foutre le souk étant donné que bon, c'est quand même Saint-Denis. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait. Hein? Il est parti agresser le. Oui. Le citadin. Pour se défouler. Là, il lui a fait vraiment un sale coup, hein. C'est pas très gentil de vendre la femme qu'il aime. Mais je ne savais pas, je ne l'ai pas vendu, je lui ai dit de rentrer chez elle. Oui, ben maintenant elle est morte, c'est bien joué. Hein. Bravo, bravo. Oui, mais il fallait pas faire de bêtises. Hein. C'est sournois, mais ça. J'adore. Fallait choisir la bonne femme aussi. Hein. Digne d'un pirate. Oui. Oh là, bonsoir. Bonsoir, vous êtes bien habillé, mon brave. Merci beaucoup. Bonsoir, ma signora. Aussi. Merci beaucoup. Oui. Ah, c'est très beau ici. Merci, c'est beau, hein. C'est très joli. Qu'est-ce que nous pouvons pour votre service? Ah, vous parlez pas fort, madame, je n'ai pas entendu. Oui, parlez je fort. Je disais, qu'est-ce que je peux pour votre service? Plein d'alcool et puis... Oui. Est-ce que vous avez des chicas à louer, pour favor? Oula. Qu'est-ce qu'il baragouine? Je comprends rien. Et vous avez dit quoi? J'ai pas compris. Les chicas, c'est les femmes. Je demande de l'alcool. Oui, des femmes. Et des femmes et des cigares. S'il vous plaît. D'accord. J'ai des cigares, les femmes, ce sont plutôt à l'étage. Oui, oui. Vous désirez de l'alcool avec ça, messieurs? Si, il faudra de l'alcool pour aujourd'hui. Beaucoup. Nous avons de la bière et du whisky et des alcools de luxe. Si vous avez whisky de pour permettre. Moi. Un whisky. Ah oui. Un whisky chacun, vous êtes quatre. Voilà, très bien. Quatre whisky. Vous aussi, monsieur Pablo, je pense. Vous voulez peut-être vous installer à l'étage? Je vous apporte tout ça. Oui, un petit whisky, s'il vous plaît. Allons à l'étage, oui. Oui, grâce à ça. Vous laissez la terrasse, hein, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Vous connaissez la terrasse? Ils sont très sympathiques à Saint-Denis. Oui, ils sont sympas. Tout à fait. Oh, c'est beau, hein. On sait qu'ils ont de l'argent. Je sais pas, allons fouiller un petit peu. Clairement, il doit y en avoir. On va aller là au bout. Bon. On est bien d'accord qu'une fois qu'on a terminé ici, on les braque et on prend leur argent pour acheter un bateau. Oui. Qui, le bar? Oui, le bar. Hola, signor, pardon. On volera un bateau, tout simplement. À voler un bateau, pas facile, hein? Mais si. Aïe, au moins il y en a qui ont encore des pieds. Hein. Pleurer en silence. Oui. J'ai pas assez de chance, hein, quartier. Vous avez l'air d'avoir fait un long voyage, monsieur. Absolument. Oh oui, seigneur, un très long voyage. Comme vous dites. Et il n'est pas fini, ce n'est que le début. Je vous propose un petit poulet chacun, un whisky, ça vous va? Poulet oui. Cajun, vous connaissez? C'est parfait. Si, c'est très bon, poulet cajun. Oui, bien. Ah non, j'ai rien dit, c'est du sanglier ce soir, excusez-moi. Formidable, j'ai sanglier, c'est très bien, oui, c'est nourrissant. C'est très bien, ouais. Et vous êtes, messieurs, je ne pas vous avoir déjà rencontré. Nous sommes des marins. Oui, des marins. Ah oui. Mais d'où vient cet accent? Cet accent vient de Cuba, signora. De Cuba? Oui. C'est un cubain. Oui, Cuba. Ben, elle avait compris. Je pense que sans doute, oui. Un cubain de Cuba. Ça aussi, il avait compris. Gracias. C'est une île. Ah oui? Oui. Oui, vous ne connaissez pas, c'est pas très loin de l'Amérique. Vous savez l'Amérique, le pays où nous sommes. L'Amérique, ça va, je me repère, oui. Et un cigare chacun également, messieurs. Tout à fait. Ah, je ne fume pas, désolé. Alors je prendrai le deuxième. Mais oui, oui. Puis c'est parce que tu rates, hein, ce que... Voilà, je fais attention à ma santé. Ceux qui fument pas, vous appelez comment? Victor.
Ah bon? Quoi? Comment? Zut. C'est vrai? Je suis désolé. Merci, ma petite dame, vous venez de nous élucider un mystère. Oui, non! Ça fait 12 ans que je me demande comment ils s'appellent, et là... On n'a rien entendu. Ouais. Ah si, on a entendu, Victor. Dans ce cas-là, il faut donner ses initiales, hein, monsieur. Du coup, oui, pas, c'est Victor. Une excellente idée. Oui, c'est plus pratique. VVL. Il a même pas d'initiale. Victor Londuba? C'est ça, oui. Victor Londuba, je t'en foutrais, moi. Vous êtes une habitante de ça. 80 chacun, s'il vous plaît. Oui, nous payerons à la fin. Ça me va qu'on paye tous, que je paye pour tout le monde une fois qu'on aura terminé ici. Je préfère un paiement tout de suite. Je ne vous connais pas, messieurs, et j'ai beaucoup de clients qui partent sans payer. Ah, si, je comprends. Les gens font ça. Attendez. Je vais voir si j'ai tout ça ici. Au total, ça fait $7.20. $7. $7.20. Écoutez, je peux pas payer la première tournée, les amis. Ou j'irai chercher à la banque, comme tu préfères. Hein. Non, je vais payer. Allez, paye alors. Merci. 7.20, c'est ça? Tout à fait. Et vous avez beaucoup de clients dans votre saloon? Ça tourne bien? Oui, ça tourne bien. Hein. Ah, très souvent, on a monsieur le maire de cette ville. Ah oui. Et vous savez. Que faire aussi loin de chez vous, alors, aussi loin de Cuba? Eh bien, nous avons fait du commerce avec les Amériques, nous avons fait du commerce avec le New Spin, et là, nous repartons bientôt. Tout à fait, chez nous. On avait du poisson à écouler. Mais très intéressant, c'est vrai. Moi, ça m'intéresse de faire du commerce avec les pays exotiques, hein, pour proposer cela à ma carte. Oh, ça vous intéresse, eh bien. Bien évidemment. Vous aimez le poisson? Oui, j'aime le poisson. Du rhum. Ah, le rhum, on m'en demande beaucoup, en effet. Mais équipage, pour ça, il faudrait qu'on repasse par ici, non? Hmm. Et je pense pas qu'on va repasser dans le coin. Non, comme c'est quoi, tout est coulé, là, déjà. Pas longtemps. Santé, mes amis. Oh, quel dommage. Salut. Bon, mais écoutez, hein, je vous laisse à votre conversation. Gracias, madame. À très bientôt. À bientôt. Délicieux ce whisky. Bien. Ça me fait penser à Béry, capitaine. C'est vrai? Ouais. Est-ce que ça te ferait plaisir qu'on la prenne avec nous sur le bateau de force? Et bon, la force, ça s'appelait Béry? Oui, si tu veux, on peut la forcer à s'appeler comme tout le monde. Parce que, capitaine, vous savez que j'ai appris qu'elle avait tué son mari, Berry. Ça m'a encore plus donné envie de faire ma vie avec elle. Ah oui, je comprends. Pour qu'elle te tue après, c'est ça? Non. Son mari était un vieux vicieux qu'il avait récupéré quand elle avait 15 ans. Et les femmes vicieuses au lit, elles sont déchaînées. Et oui, c'est pour ça. Je savais que vous allez me comprendre, capitaine. Ah, bien sûr. Monsieur Greenwood est trop vieux pour et ça. Et elles assassinent facilement. Non. Oui. Plus elles sont dangereuses, mieux c'est. Plus elles sont dangereuses pour vous. Mais bon, on ne saura jamais vu que vous m'avez brisé mon rêve, monsieur Greenwood. Je vous ai sauvé la vie, gros. Oui, bien sûr. Bon, il a peut-être pas tort, hein. D'une certaine façon, ben, lieutenant, il t'a peut-être sauvé la vie. Tu sais pas, cette femme, elle peut-être qu'elle voulait te tuer aussi, hein. Ou alors que c'était une façon de nous approcher. Oui, ou peut-être pas. Hein. Elle a déjà goûté au champ. Une deuxième fois, ça ne lui ferait pas le mal, à mon avis. Ben, par contre, non, la route pas trop, lieutenant. Tu l'as tué, quand même. Je ne l'ai pas tué. Oui, mais bon, c'est tout comme. Ça. Si tu avais eu le pistolet, tu aurais tiré, j'en suis sûr. Absolument pas. Alors. Allez, lieutenant. On ne peut pas dire ça. On peut lui dire maintenant que tu es une vraie crapule, pire que moi. Hein? Je ne dirai pas ça, je dirai que je suis un fin diplomate. Non, tu es. Qui a sauvé la vie de Grondin d'ailleurs. Tu es un vrai scorpion. Tu te caches en dessous des pierres chaudes et tu attends qu'on mette sa main pour retrouver de l'or et là tu piques et tu fais très mal. Oui, c'est vrai. Grondin, vous me devez la vie. Oui, bah, tu vois, il reprépare son coup, son dard. C'est dégueulasse. Ouais, regardez, c'est pour m'amadouer. Pour me dire, tu m'es redevable. Absolument, oui. Deux fois, c'était quoi la première fois? Et à votre avis? À Rouge? Et la deuxième fois? Ah oui, c'était avec la femme. Avec la femme, oui. Oui, je suis bête. Enfin. En tout cas, merci d'avoir du soutien, ce que ça fait plaisir. Comment? Victor. Non, je m'en fous. Arrête de m'appeler comme ça. C'est pas comme ça que vous allez vous faire des alliés, Grondin. Exactement. Personne, moi, que du capitaine. C'est Victor, comment? Je ne vous le dirai pas.
Mais tu me l'avais déjà dit, Von quelque chose, non? Absolument Von pas. Vancouver. Von Larkin, c'est pas ça? D'où venez-vous, Skull? Comment? D'où venez-vous? On va le rendre fou. C'est pas ça. On va le rendre fou, Skull, il va péter un plomb. Très bien, très bien. Je vais tout vous dire. Oh, des chevaux. C'est maintenant qu'on a vu ton visage, je sais que tu t'appelles Vic. Vous avez vu son visage? Oui. Mais quand? Lors de votre enterrement, il l'a enlevé. Tout à fait, oui. Il a enlevé son visage, c'est dégueulasse. Oui. C'est en honneur à vous. Non, Captain, c'était quand même une forme de respect pour vous. Là, pour le coup, je suis obligé de défendre ce que... Ah, magnifique. Merci. Est-ce qu'il dit... pleurait un peu? J'ai pas vu, en fait, j'ai vu son visage, j'ai tellement peur que j'ai tourné le regard. Comme toutes les autres personnes présentes, désolé, ce que là, c'est la vérité. Moi, je n'ai plus que moitié du visage, donc je ne sais pas. Non, il est vraiment laid. Je souhaite de jamais voir son visage. Mais j'ai déjà vu, On se connaît depuis tellement longtemps. Bon, bref. Vous avez mangé, vous avez bu? Mais oui. On va braquer les clients du saloon. C'est parti. Allez, on a... Pardon? Ah bah dommage, j'ai parlé trop fort. Annulation. 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 Effectivement, oui. Oui, oui, oui. Annulation. Ah oui, comme... Je te dis, Greenwood, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être braqué comme ça quand on te parle d'une situation. Il faut que tu acceptes les faits. Hein. C'est tout. Vraiment. De quoi? Vous êtes beaucoup trop braqué. Vous êtes trop braqué, Greenwood. Il faut être ouvert. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à tout, vraiment. Moi, je trouve qu'il faut être ouvert à des choses. Non, c'est cela. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, imbécile. C'est pour le mot. Ne nous braquons pas, les amis. Non, il faut être ouvert. Oui, c'est ça. Oui. Ah. Il faut fuir aussi. Oh, c'est dommage, j'ai la voix qui porte. Ouais. Il faut, comment dire... Bonjour. Yep. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Non, je pense que, comme une banque, il faut être riche de ses découvertes. C'est bon, sans se braquer. Ils l'ont à l'anglaise. J'ai l'impression que quelqu'un a dit « Ils vont nous braquer, fuyez. » C'est vrai, oui. Ben oui. En même temps, quelle discrétion. Ah, c'est pour ça qu'ils sont tous partis. Mais oui, mais j'ai fait exprès de... Enfin, j'ai pas fait exprès, mais je m'exprime et ma voix porte, mais à travers deux étages. Bon, c'est bon, quand on est ensemble je viens comme ça, d'avoir une idée. Messieurs, je viens d'avoir une idée. Oui. Et si nous passions dans tous les établissements de Saint-Denis en disant que nous allons les braquer? Comment? Je dis, et si nous passions dans tous les établissements de Saint-Denis en leur disant que nous allons les braquer? Pourquoi faire? Et pourquoi faire? Mais parce que comme ça, ils vont tous être effrayés, ils vont appeler tout le monde. Les mais ils sont déjà effrayés. On est à deux étages au-dessus, on dit qu'ils partent déjà. Oui, mais dans tous les établissements. C'est pas drôle. On les empêche de travailler, c'est dommage. Il faut qu'ils rapportent de l'argent, ces gens. Pour nous le donner après. Tu as déjà vu, c'était un shérif qui est arrivé à toute vitesse. Ah bon? Mais oui, pourquoi tu crois qu'il est arrivé à toute vitesse? Parce que il a attendu tout seul, c'est ça? Je sais pas, hein, ou peut-être qu'il pensait pas qu'on voulait le faire. Ou alors on braque Monsieur Greenwood. Comme ça on en braque quelqu'un. On braque Monsieur Greenwood et on fait que le maire, on fait venir le maire de Saint-Denis. On fait un appel pour venger un grondin et on braque tout le monde. Ah, ça me plaît. Oui, mais s'ils sont 53. Pourquoi 53? Pourquoi pas 54? Pourquoi pas, oui, s'ils sont tous ça. Et je ne pense pas qu'ils seront 53 ou 54. Mais s'ils sont 55, 50, par exemple. 55. Alors on est cuit, là. Nous n'avons qu'à essayer et nous dire, ben non, nous ne vendons plus, nous n'avons plus envie. Moi, j'ai pas envie de mourir dans cette ville pour une bêtise. Hein. Mais moi non plus. Allons prendre un bateau, quelque chose. Oui, c'est trop dangereux. Tout l'équipage nous attend sur la Veuve Noire. Ils sont déjà tous là. On est les quatre derniers, donc bon. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont dire si le capitaine ne rentre pas?
Que quoi? Enfin, que nous sommes des traîtres. Il a dit que vous étiez un traître. Non. Ah bon? Mais il s'est rectifié juste après. Oui, il y a peut-être un traître parmi nous. Les gens apprennent beaucoup trop de choses trop vite. Je me demande bien qui c'est. Hein. Oui, moi aussi, Grandin. N'est-ce pas Greenwood qui n'écoute qu'à moitié. Oui. N'est-ce pas, Cortez? Comment ça, n'est-ce pas, Cortez? Je veux pas me trahir moi-même. Comment ça, soi-disant, Cortez. Quoi? On m'a démasqué, madre de Dieu. Je savais depuis le début. Vous êtes un faux capitaine. Si, vous avez échangé avec Cortez votre identité. Si, c'est vrai. N'est-ce pas? Oui, j'avoue. C'est pour ça que vous avez faim à sa mort. Avouez. Oui, j'ai faim à mort. Je suis désolé. Eh bien, mangez dans ce cas. Ah, d'accord. Vous pouvez baisser les bras? Oui, allez-y. Ah, gracias. Non, mais vous êtes malade, hein. Vraiment, vous êtes fou. Il n'y a pas de bateau. Tu es rentré dans celui-là. Le ferry, allons-y. On voit le ferry. Oui. J'ai pu assister quelquefois à ces machines. Et bon, ça ne sera pas facile. Et ça va, le bâton, désolé de t'avoir frappé. C'est de l'autre côté. Là, peut-être. C'est nimp. Ah. À gauche. Ouais. D'habitude, il y a quand même plus de... plus quelque chose, mais... En vrai, ça fait depuis tellement longtemps que qu'on étiole notre cohérence comme ça, petit à petit, et qu'elle... Pour être honnête, on n'aurait jamais dû reprendre les pirates dans ce contexte-là. On aurait dû repartir Pirate Avanor, un truc comme ça. On aurait dû refaire un groupe de Mexicains Armadillo, s'adapter. Mais comme le groupe était déjà prêt à faire les pirates, capitaine, on a accepté Armadillo. Il est là-bas, le pont. Là, capitaine sur le pont. Ah oui, regardez. Mal. J'ai fermé. Là aussi? Ah oui. Magnifique ici en tout cas. Je vois bien une grande réunion ici se tenir avec des grands responsables de l'État. Ou des gens influents qui tirent les ficelles derrière tout ce qui se passe ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en planque un petit moment, le temps que la barque arrive, et puis on monte dessus et on rejoint la veuve noire. C'est bon, tout l'or a été transféré? Oui, ça a déjà été fait normalement. Ce matin partait la dernière chaloupe. Il n'y a plus rien, juste ce qu'il faut pour que les gens survivent. Et puis... Bonne chance aux Mexicains. Hein. Oui, bonne chance à eux. Je les aime pas, mais finalement je les aime bien, je crois au fond. Ils ont réussi à piller tout le trésor de Tumbleweed que la petite Mexicaine m'avait annoncé. Ils ont réussi. Que nous. Les Américains, ou peut-être les ont pris, je ne sais pas, mais ils ont réussi à trouver leur sort tellement fort que ils n'ont presque plus d'or. Si on revient ici, ce ne sera pas avant longtemps. On pourrait partir à Guarma, peut-être. On verra bien. Eh bien, chouette. Vale. On aura fait ce qu'on pouvait. Comme vous dites. Vous voulez qu'on tire en l'air une dernière fois? Non. Si c'est pas pour se faire attraper, c'est pas drôle. Adieu, les Amériques. Enfin sur la mer. Adieu, les cadavres. Quoi? Non, rien. Adieu, les Mexicains fous qui baissent des chèvres et qui font n'importe quoi avec du sperme de cheval. Ah oui, je sais. Adieu, les crasseux américains qui baissent. Dieu seul sait quoi.
adieu les juifs aussi, fou là, mercenaire. Eh oui. Mm-hmm. Pépé, ah là là. Et à deux, monsieur Greenwood, parce que votre tour est arrivé. Non, je déconne. Comment je déconne, ça je déconne. Vous me faites un peu trop de menaces, Rondin. Vous entendez les crieurs? Ah. Eh bien écoutez, peut-être que nous pourrions rester un petit peu plus longtemps, non? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais de toute façon, on est là, donc... Les brigands mexicains. Soit on se cache dans le bateau, soit on essaie de s'en sortir, mais... C'est vrai, on fait tellement d'effets, capitaine, qu'à chaque fois, on pense que tout le monde est mexicain. Oui, je lui ai dit cubain en plus. Qu'est-ce qu'il faut lui dire de plus? Je ne sais pas. Et bien, bien vu que M. Greenwood n'était pas mexicain. Je lui ai pourtant dit, des cubains, de Cuba. Il y a plein de savoir où c'était, donc... J'essaie, livrez-moi au shérif et au marshal. Comme ça, vous pourrez vous en sortir. D'accord. Aussi. Non, mais hey, jamais, non. Mais ça suffit. C'est un ordre du capitaine. J'ai pas dit c'est un ordre. J'ai pas dit c'est un ordre. Détache-le, allez. Ah, zut. Merci. Votre chapeau, capitaine. Oui, ça va. Bon. À l'aide. C'est de pire en pire, Victor. Arrête de m'appeler comme ça. Pardon, Skull. Tu sais très bien que j'ai horreur. À l'aide. Bon, venez. On va aller voir le shérif ou le marshal. On va voir on va se livrer, simplement. Un instant. Sinon, ils vont nous poursuivre et on nous empêcher de passer la nuit ici. Comment ça? Bah, ils vont fouiller toute la ville, ils trouveront bien le bateau à un moment si on se cache. Si vous me permettez, je vais uriner dans l'eau. Je reviens. Oui, on va faire ça. On attend devant le bateau. Très bien. Ils vont venir ici, hein. Ça va être pire. Ah oui, c'est peut-être eux, les bandits mexicains. C'est peut-être eux, oui. On peut leur dire que c'est eux. On peut dire au shérif et au marshal que si on est là, c'est pour leur livrer les castillos qui vont venir à 23h. Ah oui, mais est-ce que ce serait bien de les baiser comme ça une dernière fois? Non, mais ça serait drôle. C'est vrai. Non, c'est pas bien. C'est immonde surtout qu'ils nous ont dit qu'ils nous appréciaient, nous aussi, on était très cordiaux, n'importe quoi. Non, maintenant il faut qu'on réfléchisse ce qu'on va dire au marshal et au shérif, par contre. Ça m'a entendu. Qu'on est des marins et qu'on va repartir en mer. Et qu'on est des marins, oui, qu'on a même payé notre consommation. Et qu'on a fait de grands accords avec Saint-Denis et que je ne suis pas le capitaine Cortez et que Greenwood n'est pas mon lieutenant. Voilà. Et qu'il n'est pas recherché. Oui. Je ne suis pas Ishmael Greenwood, j'ai volé son identité. Non, tu as volé personne. Tu t'appelles James Blackstone, c'est tout. Oui, c'est je suis James Blackstone. Ouais. Attendez, venez, il y a un skull qui pisse, on va l'attendre là-bas. Et s'il nous demande nos papiers, Dans quel monde on a les papiers, hein? Moi, je donne mes papiers à personne, plutôt mourir. Pensez que Skull a fui? Non, il a dit je vais uriner dans la mer. J'espère qu'il est pas tombé dans l'eau, hein. Bah, j'en serais débarrassé au moins. Bon, qu'est-ce qu'on dit au marshal? Parce que là, Greenwood, s'il t'attrape, il te tue, je crois. Je n'ai pas envie de voir les marshals, en fait. Bon, l'idée des marins, c'était pas mal, hein. Tu sais quoi, Greenwood? Va-t'en. Tu prends la chaloupe, tu pars en avance, à discrétion. Formidable. Et... Ouais, d'accord, il a entendu que ça. Et tu m'attends. Tu dis aux hommes de ne pas partir sans moi. Hein. Si vous êtes partis, j'enverrai un autre bateau vous éliminer. Mais... Oui, parce que je me méfie avec toutes ces histoires de trahison, là. Il va encore y avoir une... Je suis sûr que c'est lui le traître. Mais non, c'est pas lui le traître. Vous avez quand même un lieutenant qui est pas marin, capitaine. Non, ça, j'ai jamais compris. Hein. Je vous le dis maintenant, parce qu'il est plus là et que je suis en lâche. Si, il est marin. Mais il est marin comme moi, je suis bouché. Ben oui. Il est marin le jour où les coqs auront des dents. Mmh. Et les vaches auront des sabots. Vous suivez là? Non, mais ça fait longtemps que je suis plus rien du tout. Ah, d'accord. Bon, tu sais quoi? Ouais, on tue Greenwood.
Non, tu pars Greenwood, on va, au bateau, on va jusqu'au bateau à la nage. Parti. Lequel? Le bateau. Ah oui, le nôtre. La chaloupe. Elle est loin, non? Si on s'est fait attraper, ça va encore être des heures et on va aller en prison et machin. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai, Cortez, c'est personne ne m'attrape. Hein. Allez, hein. Le dernier lot est un peu mouillé. Et voilà. On a rejoint le bateau, c'est magnifique. Tout le monde s'amuse. Youpi! Non, en vrai, ça faisait un moment que... Ça faisait un moment qu'au niveau cohérence, on se forçait un peu, quoi. On se forçait un petit peu. Du coup, c'est... Même les membres du groupe, il y en a plusieurs qui disaient qu'ils savaient pas, et qu'ils étaient entourés de plein de Mexicains qui leur disaient qu'ils étaient gringos dans une ville. Et... Parce que je suis le seul hispanique de la bande. Donc évidemment, c'était bizarre d'être à Armadillo, c'était bizarre que Greenwood soit Armadillo, même si c'était une suite logique. C'était chaud en vrai. Donc c'est mieux qu'on fasse une petite pause là. C'est mieux qu'on fasse une pause. Et oui. Et là, ça se voit bien, mais au plus on avance. En fait, on a fait des chouettes scènes quand on était entre nous, avec d'autres gens, une fois qu'on avait une dynamique lancée. Et puis, une fois qu'on s'est retrouvé confronté à des choses qu'on trouvait moins cohérentes avec nos persos, ça nous a donné envie d'arrêter, quoi, petit à petit. Et au plus on avançait, au plus on était là, ouais. Parce qu'on avait, on avait plusieurs casquettes, quoi. On avait la casquette des gestionnaires d'Armadillo, la casquette de bandit et la casquette de groupe pirate aussi. Or, on n'a jamais vraiment pu jouer les pirates comme on jouait à Van Horn, les pirates. Et là, c'était... Ah bah non, c'était chouette. Parce qu'on n'avait pas de gestion, on faisait juste notre truc. Mais Mexique parlant, parce que c'est ça, ça faisait vraiment un groupe mexicain. Mexique parlant, c'était moins drôle, quoi. Partons en donjon avec le Lys. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Oh mais c'est bon, ça tournait en rond en Niord, moi j'en ai marre. C'était naze, c'est une des plus nazes fins que j'ai fait, mais bon. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ce que je disais, Parou. C'est que... Pirate gestion de ville plus mexicain en fait, parce qu'en étant à Armadillo, bah on était mexicain, tu vois. En mode Cortez mexicain, mais en fait non. Cortez, il est pas fait pour être mexicain, c'est un cubain, mais c'est surtout un pirate avant toute chose. Et là, bah, ça fait des jours qu'on en parlait. Hein. Oui, autant faire un truc cohérent et crédible de base. On a aidé un peu à lancer l'économie, à dynamiser un peu, à créer. On a fait venir du monde, en vrai, à Armadillo, plein de gens qui sont venus. Là, il y a. Je sais pas, hier, il y avait 20 personnes à Armadillo, à des habitants. Donc c'est bien, on a dynamisé la ville, on a lancé le truc. Mais de jour en jour. De jour en jour, c'était plus se forcer à trouver des idées, de choses qui pouvaient aller dans le concept pirate. Parce que je me creusais la tête de... Allez, on va faire ça, puis on va faire ça, et au plus ça avançait, au moins c'était crédible. Je crois qu'il a bien remarqué aussi, lui qui découvrait les pirates, il s'est retrouvé catapulté au Mexique. Et puis après, à la gestion politique, et... Ouais, c'était vraiment devenu un exercice, c'est ça. Mais bon, là, ça allait, en vrai. Ça allait encore, hein. C'était pas un exercice fou comme quand on jouait des mafias et que ça faisait un mois et qu'ensuite il fallait se connecter et que ça devenait chiant. Là, ça allait. Il y avait des chouettes moments. Mais ça commençait à toucher vers le plus contraignant, quoi. Donc c'est sûr. Faut arrêter quand c'est comme ça. Et non, je vais pas aller sur Mortal tout de suite, Luc. J'ai encore envie de faire un autre truc, comme je t'ai dit, sur ce serve. Au moins un. Hein. On verra pour la suite. Ati. Yep, on se barre. Expliquez-moi, à cause de toi. De toute manière, je vous déteste. Magnifique. Luc, trouve-toi des potes. Et Snow Graze. Mais je l'aime aussi, je suis aussi mon ami. Je...
Ouais. Donc on verra bien ce qu'on va faire pour la suite. On a plusieurs idées pour faire bouger le jeu. Des choses qui ont l'air intéressantes, des choses qu'on n'a pas trop explorées. On va voir ce qu'on va faire, on va se concerter, et puis on verra avec qui on le fait. Et puis voilà. Vous avez dû sentir que ces derniers jours, c'était un peu baisse de régime en mode idée, et que c'était moins intense. En vrai, j'aurais pu faire juste un personnage mexicain qui gère la ville d'Armadillo et aller à fond là-dedans. Ça aurait peut-être plus tenu, mais là, c'était trop... Le fait de jouer Cortez et l'équipage, t'avais toujours ce côté roleplay où tu l'as pensé au rôle, tu l'as pensé à la coordination. Et en plus de ça, tout le reste, quoi. C'était trop. Bah ouais, clairement. Vous voulez qu'on en débrief ici ? Vous voulez qu'on en cause ? On fait ça en off-stream. Parce qu'on peut donner nos idées aussi sur le serveur. Sur les joueurs, sur les scènes qu'on a appréciées, les choses qu'on a un peu moins appréciées, etc. On peut faire ça en off, c'est peut-être mieux. Ouais, on va faire ça. De toute façon, je connais votre avis. Principalement. Oh, vas-y. Cette scène, cet épisode, cette chose, on l'appellera cette chose, marquait la fin du coup de Cortez sur Nolocha ici. Et je pense pas qu'il va revenir. Il a déjà fait son temps, c'était chouette. Voilà. C'était pas fou, on a essayé de faire des chouettes choses. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais voilà. Au moins, ça clôture plus ou moins logiquement sa cohérence et le passage avec son équipage fou. Du coup, merci d'avoir suivi jusqu'au bout les aventures. Merci d'être là. Et faites ça bien. À ciao, à la prochaine, à demain. Les pirates, ça n'existe pas. C'est comme les chevaliers, ça n'existe pas.